Bonjour Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Oh, vous avez une voix de gala en province. Voici les prévisions astrologiques de la semaine prochaine concernant Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Travail. Pour vous, madame, cette semaine ne sera pas de tout repos. Vous avez des adversaires qui souhaiteraient vous voir changer d'environnement sous prétexte que vous brassez beaucoup d'air. Heureusement, de l'air, vous n'en manquez pas grâce à votre ascendant tigre royal en astrologie hindoue. Ce n'est pas parce qu'il vous arrive de faire des boulettes et de pédaler dans la semoule que vous devez renoncer à vos projets. Vous avez la cote chez les camionneurs depuis votre reculade? Profitez-en pour refaire des photos de vous en bikini qui serviront de mascotte épinglée sur l'avant des camions. Amour, votre ciel est au beau fixe dans ce domaine grâce à une lune en pleine expansion. Vous pouvez quitter la présidence du club des compagnes abandonnées. Votre proposition de gratuité des autoroutes le dimanche vous vaut désormais une popularité accrue auprès des jeunes hommes taillés en force qui rêvent de vous emmener en week-end dans leur belle auto. Une nuit à la belle étoile dans une décapotable sur une aire d'autoroute ne vaut-elle pas tous les hôtels étoilés du monde? Votre séduction naturelle, alliée à une certaine tradition du goût que l'on ne trouve qu'en Charente-Poitou, vous vengera de ne pas avoir été première dame au royaume de Hollande. D'ailleurs, vous avez tout appris à l'actuel président, y compris cette façon originale de marcher le bassin en arrière et le poitrail en avant, à la manière de Bécassine. Santé. Votre faible bien connu pour les sucreries se portera surtout cette semaine sur les pâtisseries, compte tenu de votre actualité politique. À l'instar du bon roi Henri qui préconisait la poule au pot tous les dimanches pour les Français, vous pourriez instaurer le régime Ségolène. Une fois par semaine, transport gratuit de Paris jusqu'en Bretagne et dessert obligatoire pour tous les foyers, le Paris-Brest. Eh bien voilà, cher Philippe, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon cher Philippe.